Voilà. Bon, moi, je vais venir la voir plus tard. Je me déguise pour Halloween, parce qu'en soi, je suis un peu perdue. Parce que, alors, je vous explique, Halloween, c'est dimanche. Sauf que dimanche, ma Halloween est à la crèche. Et j'ai décidé de faire une cure juste parce que j'aime trop ces gumis. Parce que c'est mes préférés, ils ont le goût cassé, donc j'ai attaqué une nouvelle cure. Juste pour le goût des gumis. Bon, en soi, la cure, celle-ci. Tant de ce qu'on a, quand on les a bouclés, on les veut raides. C'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que moi, j'adore les cheveux bouclés. Je l'avais fait une fois. J'avais fait une permanente sur cheveux blonds, décolorés. Je vous dis pas le carnage. Je me suis retrouvée avec les cheveux morts, brûlés de la racine à la pointe. Donc, je ne ferai plus jamais de permanente. Mais c'est vrai que bah, c'est trop beau, quoi. Faut que je fasse des tresses plus souvent. Ils sont tout foufous les deux. Pour pas changer, elle est cassée. J'ai l'impression que tous les ans elle est cassée. Je sais pas ce qui s'est passé. On est revenu de la France, elle était comme ça. On l'a re-remplie. Donc voilà. Mais c'est pas. Enfin voilà, c'est. Comme vous savez, c'est une maison qu'on loue. Donc ben, on appelle le propriétaire, on dit qu'il y a un problème. Le temps que. Déjà le temps de réaction. C'est quoi? Un lézard? Ouais. C'est qui te gratte la tête? Lézard. Un lézard. Là, avec vache qui rit des petites pattes. Ça, c'est pour demain pour Mylon. C'est fou parce que quand je suis en train de faire à manger, genre là je vois ça, ça me donne zéro envie. Genre quand c'est moi qui cuisine, ça me donne pas envie de manger. Bon, après je cuisine et ça me fait hyper plaisir de le faire. C'est surtout pour mon fils parce que je sais que ben voilà, il se régale et puis quand il ramène ses petits plats vides de la crème. Plus qu'à faire revenir son petit poulet à côté des petits légumes. Et voilà. Là d'ailleurs j'ai presque fini mon litre. Il me reste, je me fais, j'essaye de me forcer quoi.